Bonjour mes petites et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir. On va ouvrir la workbox du mois de janvier. Regardez ça, les autocollants qui mettent, c'est chiant, mais voilà. Du coup on va s'ouvrir ça tout de suite, comme d'habitude, vous savez, elle s'ouvre comme ça. Et voilà, voilà, voilà. Voilà, je chope le petit pins. Je le retire de son petit étui. J'ai des poils. On dirait la petite maison d'Harry Potter avec un petit... je ne sais pas quoi dessus, mais c'est pas ça du tout. Ah ouais, je vous ai pas montré le petit formulaire. Voilà, le nom est juste là. Moi, j'arrive pas à le prononcer. Ouais, enfin, soit. Puis, je chope ça. Ça a l'air d'avoir un bonnet, je pense. Je sens qu'il y a plein de tissus dans cette box. Du coup, c'est World of Warcraft. C'est un bonnet avec un petit insigne là. Bon, ça, on voit pas du tout ce que c'est. Hop, bien sûr, on essaye. Un peu bizarre pour moi. Quelle pièce. Ça me va pas du tout, moi, les bonnets. Voilà, ça me va pas du tout. J'ai plus rien à rassembler. Je rassemble déjà pas grand chose. Alors bon, il est beau, il est noir, il a pas trop de... Il a juste un petit logo ici, mais que vous allez peut-être pas voir. Voilà, il est simple, il est beau. Bon, maintenant c'est pas ce que je vais mettre. Si ça quelqu'un intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je le remets dans son petit, petit sac. Puis comme j'ai des animaux, il va être plein de poils. C'est quand même pas le but d'avoir des poils sur les affaires. Après, je chope ceci. Ah, des chaussettes. Des chaussettes, c'est quoi? Ting bing bang. Ouais, ça c'est la série... Oh, que j'ai regardé un tout petit peu. Voilà, des chaussettes comme ceci. Ça par contre, je pense que je vais quand même mettre deux chaussettes. Elles sont comme ceci, c'est des grandes. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Je fais la folle. Ouais. Ça peut être... C'est bien parce que c'est une box qui est pratique. On peut les utiliser, les objets. Et ça, c'est chouette parce que c'est vrai que maintenant, dans les box, il n'y a pas toujours de trucs à utiliser. Ou à manger, comme la box du petit colis que j'ouvre. Alors, j'ai chopé le t-shirt. Je l'ai vu. Il se présente comme ceci. Hop. Ça aussi, en fait, cette box... Je ne connais rien. Je ne connais rien. Rien du tout. Ça me fait peur quand... Enfin, à part ça, les chaussettes, je connais, c'est une série qui passe sur... Oh, c'est quelle chaîne? Je ne sais plus. Moi, j'ai des petits cheveux partout. Je dois laver mes cheveux, c'est pour ça qu'ils sont attachés. Je vous montre le petit logo. Je sais pas si vous connaissez. Hop. Et le t-shirt, il fait toujours grand. Hop. Je sais pas si vous connaissez. Bon, c'est juste un footballeur. Voilà. Je demanderai à mon chéri si ça lui intéresse. Voilà. Bon, moi, souvent, quand je les... quand il me plaît pas, je les mets en pyjama. Ils sont grands. Regardez ça. C'est vraiment... Non, en fait, ça peut aller. Mais c'est quelle taille encore? Un XL. Et comment... Grand noir, blanc et bleu. C'est des couleurs. Comment on aime bien. Voilà. Un peu passe-partout. Moi. Mais je connais vraiment pas cette série. Et ça m'ennuie des fois de pas connaître. Après, la dernière chose. Je saurais même pas savoir c'est quoi. J'ai juste là.
Du coup, c'est pas une. Comment on dit encore? Je sais plus le nom. Oh! C'est une pop. Dans la forme que c'est. La forme. Et puis, en ouvrant, vous voyez, il est marqué Funk Pop. Voilà. Du coup, on va essayer de la descendre tout doucement. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être du. Qu'est-ce qui pourrait être dans cette. Avec le film qui est. Enfin, la dernière film d'annoncer. Moi, au début, je pensais que ça aurait été. Une oreille d'item de Toy Story. Oh, comment c'est encore. Allez, aidez-moi. Oh, c'est le dernier. C'est pas un Marvel. C'est un Marvel, je pense. Bon, vous voyez comme moi. Hop, 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 hop. C'est un Marvel. C'est Black Panther. Shuri, je connais pas du tout. C'est une. En plus, c'est une exclusive 2018. Convention édition spéciale. Je ne connais pas du tout. Sclou. Elle est belle. C'est de Black Panther. Je montre la série complète. Je pense que qu'elle sera à gagner sur ma chaîne. C'est quand même une pop assez culte. C'est une. Je vous loue. Oh, c'est une bubble. C'est une bubble. Une bubble. Je suis pas fan en plus des bubbles. Il y a le socle. En plus, regardez ça. Elle est belle, mais. Voilà, les détails sont bien. Il y a un sac en plastique là. Je l'ai pas sorti. Hop, il y a un petit sac, on la met dessus. Bien sûr, c'est le mauvais pied. Hop. Le trou est là. J'arrive pas à la mettre. Hop. Voilà comment ça se présente avec le socle. Voilà ce que je voulais pas. Parce que j'aimerais bien. Vous voyez, elle est pas cassée. Elle est pas cassée, elle a rien. Voilà, parce que je voudrais bien la faire gagner quand même. Mais c'est des sortes de cacaboudin. Voilà. Si ça vous dit, on va faire un concours pour la gagner. Je vais la remettre. J'ai des poils. Ça m'embête les poils. Allez, rentre. Hop, je la remets bien dans sa boîte. La boîte n'est pas abîmée même en l'ouvrant. Vous pouvez y voir, la boîte a vraiment rien. J'ai trouvé le truc maintenant pour les ouvrir. Voilà. Et en plus, elle était bien protégée dans le petit carton. Que je vais remettre directement dedans. Hop. Voilà. Comme ça. Elle est protégée doublement. Voilà. Alors, on fait comme d'habitude. On discute. Oh, si j'arrive à la voir, bien. On discute pendant 5 minutes. Tant que j'arrive à démonter cette boîte. Pour la voir mieux, dites-moi en commentaire ce que vous aurez envie de voir sur la chaîne, enfin de cette année, ce que vous voulez qu'on améliore ou quelle vidéo vous aimeriez bien voir apparaître, si vous voulez plus de Disney. Quel contenu vous voulez voir surtout, voilà. J'aimerais bien, c'est parce que j'ai un souci avec mon PC, mais j'aimerais bien c'est essayer de faire des du sim, du contenu jeu vidéo PC. Enfin, je suis pas fan de jeux PC, mais au moins les sims, j'aimerais bien faire ça. Du coup, voilà la box, comment elle se retrouve, quand elle est faite, elle se trouve comme ceci. Là, on dirait qu'il y a un bouton.
Là, il y a une croix. Là, il est marqué Webox. Là, danger. Voilà. Comme elle se présente. Elle est jolie quand même. C'est une jolie boîte. Bon, c'est pas dans les boîtes que j'aime bien, mais voilà. C'est vrai que je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Mais je pense pas renouveler mon abonnement de la box. Parce que franchement, depuis que je les ai, il n'y a pas beaucoup d'items que je connais. Ça m'embête un petit peu. Parce que les avoir et pas savoir les utiliser, un peu du Harry Potter. Du coup, je pense que je vais arrêter l'abonnement. Et que quand il y a une box qui me plaira, à ce moment-là, je la ferai parvenir et je l'ouvrirai avec vous sur la chaîne, bien sûr. Mais là, pour le moment, il n'y a aucun item que je connais. Et c'est plutôt embêtant, voilà. À part le truc des chaussettes que je connais, je sais même pas où il est, le pins je ne connais pas, j'ai entendu le nom, mais voilà, parce que je crois que mon chéri a joué, ou là il connaît, du coup voilà. Bon, on va quand même regarder un petit peu le petit formulaire. Il y avait des belles choses à gagner, je vais vous montrer. Il y avait un jeu de... Non, c'est pas de dame, c'est d'échecs. Batman, qui a l'air vraiment pas mal, là. Puis on avait des figurines à gagner. Et là, c'était la VR sur PS4, juste ici. Voilà, je ne connais pas... Heureusement que des fois, je suis pas gagnante. Parce que je sais pas ce que je ferai avec. Je les revendrai, ça c'est sûr. Après, le bonnet qui coûtait 20 euros. Voilà. Le t-shirt que j'ai en main, celui-ci, il coûte 20 euros. Ça fait 40 euros déjà. Les chaussettes Bing Bang, qui, je sais pas quoi là, 12 euros. La figurine... elle vaut plus que ça pourtant. Parce que c'est quand même une exclusive. Il marque 15 euros, mais pour moi, elle vaut plus si vous l'achetez. Et le pins, comme d'habitude, c'est 4 euros. Du coup, quand même, ça nous fait une belle somme, quoi. 15, 17, 2, 4, 5, 6. Vous avez 60, un petit peu plus de 60 euros dans la box. C'est vrai que ça vaut la peine quand même. La box, elle revient à une vingtaine d'euros, je pense. Si je me trompe pas. Si vous voulez, je mettrai le lien. Je sais pas si elle est encore disponible actuellement. Parce que c'est vrai que je suis quand même... Je l'ouvre tard. Surtout qu'on l'a début et moi, je le fais toujours à la fin. Enfin, ici, à la fin. Parce que j'avais eu les box... J'ai eu tout en même temps ce jour-là, en fait. J'avais eu les deux box... petit colis, j'ai eu les deux en même temps. J'ai eu la Webox en même temps et j'ai ouvert les deux petits colis. J'avais celle-là à ouvrir aussi, mais que j'avais pas encore ouvert. J'ai pas eu le temps à l'ouvrir parce que j'ai quand même d'autres choses à faire en notre temps. Puis j'ai eu mon tonton qui s'est fait opérer de l'œil. Bah, voilà quoi, du coup je me suis un peu occupée de lui. Voilà. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et à bientôt!